ouverte. On est entré. C'était une chambre sans fenêtre. On n'a jamais compris d'où venait la lumière. On baignait dans une lueur chaude et douce. Ça semblait venir des murs, c'était impalpable. Le portable se rechargeait tout seul. On a envoyé quelques textos. Rejoignez-nous, endroit improbable. On s'est posé en attendant. Le sol devenait cotonneux lorsqu'on s'asseyait. J'ai plongé ma main dedans. Je l'ai ressorti avec un bout de sol entre les doigts. Le trou que j'avais fait s'est rebouché doucement. La matière dans ma main sentait bon. J'en ai mis un peu dans ma bouche. C'était délicieux. Le sol se mange. Merde. Les copains sont arrivés avec des bouteilles. J'ai allumé mon enceinte. Le son dans cette pièce était incroyable. On buvait, mais les bouteilles ne se vidaient pas. Ceux qui avaient faim se baissaient et se servaient. On s'est mis à danser. Chambre magique. À pisser dans les coins. Le sol absorbait l'urine immédiatement, ça ne sentait rien. Ceux qui avaient trop bu vomissaient et regardaient leurs vomis disparaître dans la lueur du sol. Puis au bout d'un moment, les trous qu'on faisait en mangeant arrêtaient de se reboucher. Le sol n'absorbait plus rien. L'odeur s'est mise à tourner. Le son s'est mis à cracher. La pièce tremblait. Avait changé, blanche et blafarde. C'était moche pour une fête. Alors on est parti. Certains voulaient nettoyer, mais finalement on est juste parti. On n'a jamais su chez qui on était.